Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part? Je le jure. Je le jure. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Ils sont cinq membres désignés, à savoir Kofi Adolphe Djiman par le président de la République, Sani Gounon par le chef de file de l'opposition, Nicolas-Luc Aurélien Assogba par l'Assemblée générale des magistrats, Saka Lafia par la majorité parlementaire et Boukari Aboussoulé par la minorité parlementaire. Mais ce dernier a finalement décliné l'offre. Des personnalités reconnues pour leurs compétences et leur probité, nommées par décret présidentiel en Conseil des ministres. Je voudrais me permettre de vous féliciter, mais surtout vous encourager et vous souhaiter bonne chance parce que vous prenez une succession difficile. Les sortants ont placé la barre trop haut. Et je veux espérer que comme le Bénin excelle de plus en plus dans l'amélioration de ses performances, je vais espérer que si insuffisance a pu y avoir pendant l'exercice des fonctions des sortants, que vous saurez y remédier. Je veux également espérer que, en votre sein, on observera la cohésion qui a pu exister entre les sortants, de sorte que la Sénat continue d'être notre fierté. Il n'y a pas de doute quand on regarde le pédigré de chacun de vous. Vous avez été les uns et les autres choisis en fonction de ce que vous incarnez comme personnalité connue, de vos qualités intrinsèques. Je connais la plupart d'entre vous. Et je peux, avec les institutions, la prendre des institutions, avec nos concitoyens, exprimer l'espoir, l'espérance que vous serez à la hauteur de la mission. Et c'est en présence du président de la République et du bureau de l'Assemblée nationale que ces nouveaux conseillers à qui incombe pendant les cinq prochaines années l'organisation des élections, gage d'un processus démocratique bien conduit, ont prêté serment. La mission est lourde, mais pas impossible. Celle de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, si bien entretenue par l'équipe sortante dirigée par Emmanuel Tiando. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer à nouveau Monsieur le Président sortant de la Sénat, M. Tiando, la vice-présidente, les conseillers sortants, et vous dire que nous ne cesserons jamais de vous réitérer notre admiration, nos gratitudes et surtout nos félicitations pour ce que vous avez fait. Vous avez dirigé avec brio cette institution si sensible pour la cohésion nationale, pour la désignation de ceux qui, les uns après les autres, ont à charge de conduire notre destin commun. Le président de la République, pour rester collé aux normes désormais observées au Bénin, a émis tout son souhait que le prochain conseiller, en lieu et place du démissionnaire, soit une femme.